Alors, aujourd'hui, nous sommes à Roncq, dans un environnement résidentiel, et on va voir un T2 situé au deuxième étage de cette résidence. C'est parti. Voilà, c'est une résidence qui est sécurisée, donc on a un premier badge. Pardon, je repartis. Voilà. Là, on arrive dans les parties communes. Alors, on trouve l'ensemble des boîtes aux lettres. On a un deuxième sas qui est juste ici et ensuite qui va nous mener vers les ascenseurs. Voilà. On s'aperçoit que l'ensemble est très propre. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, nous sommes arrivés au deuxième étage et on va découvrir l'appartement. On arrive dans une entrée, on aperçoit de suite qu'on a un beau parquet et que l'ensemble est assez lumineux. Alors, je vais vous montrer l'entrée. Elle se compose, on a le tableau électrique qui est juste ici, on a du rangement ici et la salle de bain. On va aller regarder le rangement. Vous avez une penderie, d'accord, et ici quelques rangements, quelques étagères de rangement. Donc ça, c'est assez pratique. De ce côté, nous avons la salle de bain. Je suis désolé, EDF a coupé l'électricité, donc j'espère que ce sera suffisant. On dispose d'un évier avec du rangement, un branchement machine. Les toilettes sont dans la salle de bain. Et nous avons une baignoire et un sèche-serviette. Voilà, avec du carrelage noir. Salle de bain qui est quand même assez grande. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. Voilà, on va ensuite découvrir la chambre qui bénéficie encore du beau parquet. Alors, c'est une chambre qui est plutôt spacieuse. On sait mettre facilement un lit de personnes avec que ce soit des tables de chevet ou bien aussi une commode pour le rangement. Nous avons juste ici une penderie. Voilà. Et la chambre amène sur la terrasse. Vous allez voir, du côté du salon, on a aussi un accès sur la terrasse, donc on va pouvoir y aller. Je disais que ça amène, en fait, ça donne sur. On peut pas y accéder à partir de la chambre. Alors, le salon, le voici. Alors, il est plutôt spacieux, assez agréable, assez clair. Je vais vous le montrer. Voilà. Donc, on a le parquet et sur la partie cuisine du carrelage pour simplifier le nettoyage. La cuisine n'est pas équipée. On a juste un bloc évier, du rangement. Nous avons juste ici la chaudière. On a un plan de travail avec un emplacement four et plaque et du rangement. Je vais vous montrer de ce côté-là. Donc le séjour donne sur la grande terrasse qui est couverte. Alors, on remarquera, on possède du vis-à-vis. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit rideau si vous le souhaitez. Nous avons aussi des volets roulants, je ne l'ai pas précisé. Les menuiseries, c'est des menuiseries PVC double vitrage très récents. Donc ça, c'est vraiment sympa. Ici, nous avons la terrasse. Alors, je disais qu'il était couvert, mais en fait, non. Je vais vous montrer de l'autre sens. Donc, ce qui est pas mal, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de verdure dans l'environnement. Et ça, c'est vraiment agréable. Puis la résidence est très calme. Gros avantage aussi de l'appartement, c'est les consommations énergétiques. On est sur du neuf, donc des normes BBC, basse consommation. Donc, ça, c'est vraiment optimisé pour que
facture EDF et GDF soit petite. Bien écoutez, si cet appartement vous plaît, n'hésitez pas à déposer votre dossier directement sur notre site internet. À très bientôt.